Nous allons préparer votre voyage. Nous allons commencer par vous détendre. Installez-vous confortablement. Vous pouvez vous allonger. Prenez une inspiration profonde. Détendez vos bras. Fermez vos yeux. Sentez la pièce autour de vous. Les yeux fermés, visualisez tout ce qui est autour de vous. Et laissez-vous porter par les idées qui passent dans votre tête, laissez-les passer. Laissez passer vos doutes. En ce qui concerne le voyage astral, n'ayez pas peur de ne pas revenir ou de vous faire voler votre corps. Cela ne se produit pas. Depuis que vous êtes en vie, enfant, que vous êtes né, vous faites des voyages astraux. Vous les faites pendant que vous dormez. Et tous les matins, vous vous réveillez dans votre corps. Continuez de laisser passer ces images. Pour vous montrer qu'à tout moment, vous pouvez reprendre le contrôle et que je ne vous endors pas, que je ne travaille pas votre mental, je vous guide et je vous accompagne, nous allons procéder à un petit exercice. Laissez passer vos pensées et lorsque je vous dirai stop, vous penserez à une couleur, n'importe laquelle, celle de votre choix. Stop. Gardez en mémoire cette couleur. Gardez-la quelque part. Et continuons. Nous allons détendre votre corps. Et à un moment, quand vous voulez, vous attendrez le moins, je vous dirai stop à nouveau et vous reverrez la couleur que vous avez mémorisée. Allons-y. Sentez comme une pression dans votre tête, comme du coton qui enveloppe votre cerveau. À la fois comme un poids, à la fois une détente agréable. Sentez comme un fluide qui passe partout, dans votre tête, derrière vos yeux, qui détend votre mâchoire. Un peu chaud, un peu tiède. Sentez ce fluide descendre vers votre cou, votre nuque, et détendre toute votre nuque, tout votre cou. Gagnez vos épaules. Sentez vos épaules se détendre. Le haut de vos bras, vos omoplates. Vos avant-bras. Vos poignets. Vos mains.
vos doigts. Sentez cette détente. Sentez-vous bien. Continuez de sentir cette chaleur dans votre corps. Sentez-la descendre le long de votre torse jusqu'à votre taille, vos hanches, votre bassin. Le haut de vos cuisses et ça descend vers vos genoux et vous sentez vos muscles, vos tendons se détendre, vos ligaments se détendent, vos articulations. Sentez ce fluide descendre vers vos mollets, vos chevilles, vos pieds, et sentez comme c'est agréable. Votre corps devient lourd. Vous le sentez se fondre dans le support où vous vous trouvez. Mais vous vous sentez bien. Vous prenez conscience de la matière. Votre corps fait partie de la matière. Mais il n'est pas tout seul, votre corps. Votre conscience, votre esprit, votre corps astral ou éthérique fait partie de l'invisible. Un autre plan d'existence. Et c'est celui-ci qui va voyager. Stop. Souvenez-vous de votre couleur, celle que vous aviez mémorisée. Inspirez. Votre corps est maintenant lourd, détendu, reposé, complètement relâché. Vous vous sentez bien, vous vous sentez détendu. Reposez. Vous allez maintenant vous visualiser, vous imaginer il fait bon, il fait doux. Vous sortez. Vous êtes dans un jardin, dans une forêt, une clairière plutôt, une plage. Vous êtes n'importe où vous le souhaitez, mais vous voyez le ciel. Il fait nuit, une belle nuit, sans nuages, où l'on voit bien les étoiles. Le ciel est plein d'étoiles qui brillent. Et vous regardez ces étoiles, vous les fixez, le ciel est magnifique. Vous vous sentez bien, et plus vous regardez ces étoiles, et plus elles vous semblent venir vers vous. Plus vous avez l'impression que ces étoiles s'approchent, elles forment comme un dôme autour de vous.
Levez vos bras comme si vous vouliez les toucher. Vous avez l'impression de flotter. Et vous avez l'impression qu'elles s'approchent, que vous allez pouvoir les toucher. Continuez à flotter ainsi vers les étoiles, car vous n'avez pas remarqué que c'est vous qui allez vers les étoiles. Vous avez décollé. Vous êtes sorti de votre corps. Observez maintenant. Flottez, tourbillonnez comme un enfant qui s'amuse dans un endroit sans gravité. Amusez-vous et flottez, regardez autour de vous. Vous montez, alors que vous vous laissez porter, vous montez, vous voyez des galaxies, des étoiles, des planètes. Et vous montez encore, vous continuez de monter. En haut, vous voyez un tout petit point lumineux, un peu plus jaune que le blanc des étoiles. Dirigez-vous vers ce point, tout en nageant, comme si vous étiez dans de l'eau, alors qu'en fait, vous nagez dans le vide. Plus vous vous approchez de ce point, et plus il grossit, il grandit. Vous commencez à vous rendre compte que pour atteindre ce point, il y a un palier et il y a des marches. Posez vos pieds sur ce palier comme si vous pouviez atterrir sur le palier, sur vos deux pieds. Levez la tête. Ce que vous pensiez être un point est une porte entrouverte et une très vive lumière filtre par cet entrebâillement. Posez le pied sur la première marche. Commencez à monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vous êtes devant cette porte. Poussez la porte, ouvrez-la. Vous venez d'arriver dans votre espace. Et ici,
vous y trouvez une lumière vive et agréable. Une lumière qui vous transporte, qui vous traverse. Elle change, elle peut prendre diverses couleurs. N'essayez pas d'analyser ce que vous voyez, contentez-vous de le voir. Cet espace est calme, ensoleillé, magnifique. Vous pouvez y voir deux lunes, deux soleils. Vous pouvez y voir des enfants qui courent, des personnes qui se promènent. Toutes les époques qui se mélangent, de la plus ancienne à la plus moderne. Vous y voyez toute une activité, puis des promeneurs comme vous. Vous y voyez des lacs, des océans. Vous pouvez avoir l'impression de marcher sur des nuages. L'important est que vous vous sentiez bien. D'autres pourront voir une matrice. D'autres encore y verront le divin. Des êtres venus d'ailleurs, des êtres translucides, grands, peut-être leur créateur, peut-être les créateurs de l'humanité. C'est dans cet espace qui est votre inconscient, que vous êtes relié à la mémoire universelle. C'est ici également que vous pouvez travailler vos pensées pour les créer, pour créer votre vie, pour la transmuter, pour la transformer. C'est ici que vous avez le pouvoir mental de créer et de réaliser vos souhaits. C'est ici aussi que vous y trouvez des réponses aux questions que vous vous posez, des vérités que vous connaissez, mais que vous ne savez comment les expliquer, parce que c'est ici que vous puisez des souvenirs de toutes les vies passées, pas forcément les vôtres, mais toutes les mémoires quantiques, toutes les mémoires qui se sont regroupées. Et vous y êtes connecté. Votre cerveau est à l'image des galaxies. Parce que vous en faites partie, vous faites partie de ce tout, comme les autres humains qui vous entourent. C'est ici que vous prenez conscience de cette conscience, justement. Vous allez maintenant imaginer comme une goutte d'eau ou une bille d'eau ou une boule de cristal souple, car ici, il n'y a pas de matière. Ce n'est que de la création. La matière que vous voyez, puisque vous lui donnez des formes, c'est de la création mentale. Vous allez imaginer cette boule devant vous qui flotte. Et vous regardez dedans comme on regarde dans une boule de cristal.
vous allez y placer en visualisant ce que vous souhaitez, vous voir dans une vie de bonheur, réussir un examen, avoir des réponses à vos questions, trouver l'amour, dormir en paix, trouver votre spiritualité, tout ce que vous voulez, vous allez le visualiser et le placer dans cette boule, devant vous, souple, comme une goutte d'eau, mais fermée, ou comme une boule de savon translucide un peu. Et vous placez tout cela dedans. Je vais vous laisser un petit moment en musique, que vous puissiez créer vos pensées et les placer. À la fin de la petite musique, je reviendrai vous chercher pour vous ramener dans votre corps matériel. C'est à vous maintenant.
Vous avez maintenant créé cette boule. Et nous allons repartir. Je suis revenu vous chercher. Imaginez que je vous tends une main. Voyez ma main s'avancer vers vous. Saisissez ma main. Mais avant, prenez cette boule dans votre autre main et tenez-la, portez-la. Venez avec moi maintenant. Nous allons revenir vers la porte.
Avancez calmement. Ne soyez pas triste de quitter cet endroit, car il vous appartient. Quand vous avez passé la porte, vous avez visualisé ce qui vous aurait plu, un endroit où vous auriez aimé vous trouver. Vous avez donc créé mentalement votre espace personnel qui va rester dans votre mémoire consciente et que vous retrouverez en y pensant tout simplement avant de dormir ou à chaque fois que vous aurez envie de le revoir. Vous l'avez créé, il est à vous cet espace. Maintenant, il existe au travers de votre pensée. Nous sommes maintenant devant la porte. De l'autre côté, l'obscurité de la nuit. Tirez cette porte. Posez votre pied sur la marche. Nous allons redescendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous êtes sur le palier par lequel vous êtes arrivé. Ayez confiance. Je vous tiens toujours par la main. N'ayez pas peur du vide. Vous volez? Venez. Regardez autour de vous. Regardez tout au loin cette étoile plus grosse que les autres. Regardez ce ciel inversé. Vous voyez cette étoile? Cette étoile est la Terre, là où vous vous trouvez, là où se trouve votre corps de matière, celui qui vous permet d'exister sur Terre. Nous allons aller le retrouver. Descendez avec moi. Tournez. Flottez et entamez des descentes de paliers comme des vagues douces. Volez. Et on descend. Et on descend. Encore. Descendez encore. Vous tenez toujours cette boule avec vos pensées dans votre main. Et descendez encore et encore. Vous arrivez vers l'endroit d'où vous êtes parti. Vous vous en approchez, vous allez poser vos pieds. Vous descendez tout doucement. Posez vos pieds, sentez. Le chemin dans l'autre sens. Retournez vers où vous étiez. Rentrez dans votre maison, votre appartement. Retrouvez l'espace, le fauteuil, le lit. Et voyez votre corps, voyez-vous, regardez-vous, vous dormez sereinement.
Entrez dans votre corps. N'ayez pas peur, allez-y, entrez. Ouvrez les yeux maintenant, doucement. Si vous ressentez un vertige, c'est normal, n'essayez pas de bouger. Lâchez maintenant cette boule que vous aviez dans la main et laissez-la partir. Voyez-la former une grande boule de protection dans laquelle vous vous trouvez. C'est votre microcosme, celui que vous avez créé dans le grand macrocosme dans lequel vous existez. Laissez partir vos créations. Elles agiront dans l'invisible et vous en sentirez les bienfaits. Nourrissez-les, pensez-y, vous n'êtes pas obligé de faire un voyage pour les recréer ou pour y penser. Vous pouvez juste leur accorder tous les jours un petit moment, quelques minutes, et vous nourrissez cette bulle de vos pensées. On appelle aussi cela un égrégore. Vous le nourrissez. C'est de la magie divine. Restez encore un petit moment, ne bougez pas. Si vous voulez dormir, alors endormez-vous. Et vous vous réveillerez apaisé, serein, sereine, demain ou tout à l'heure. Vous pouvez aussi lire, écouter de la musique ou rester comme ceci. Repensez à ce que vous venez de faire et de voir. Vous féliciter d'y être parvenu. Quant à moi, je vous remercie de votre confiance. Je vous laisse en musique.